Comment nous ont-ils retrouvés ici? Ces types me suivent depuis des semaines, je pense en être débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? Dépêche, Sully. Ah non, je crois pas. Tu fais quoi là? Attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle. Je t'ai déjà raconté. La fois où j'ai vendu une fausse statuette du XVIe siècle à Pablo Escobar. Ah, t'étais plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était... Mais est-ce que tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Francis Drake est venu jusque-là. On est à des années-lumière de l'Angleterre. Oh, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Un 4-3? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. Ah. Bon travail, petit. On est longtemps ici. Oh, oh, oh! Les Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Sois prudent, mec. Ça fait une sacrée chute.
Attends, je reconnais ces symboles. J'ai réussi! Tout va bien! C'est bon, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Quoi ? Pratique. Oh, oh, non, non, non. Ça me dit rien qui vaille. Il est là. Ah, le voilà.
plein droit. T'éloigne pas. Par ici. J'ai touché. Oh, on va le faire. Chopez-le. Une longue histoire, je te raconterai plus tard. Reste près de moi. Je me fais attaquer par les inconnus, j'oublie la carte dans un avion en flammes, je perds Elena, qui est sûrement morte. Continue comme ça.
Possible. Regardez devant, pas en bas. C'est pas trop tôt.
Franchement, faites appel à un plombier. Oh!
D'où ils sortent tous? Le voilà!
On prend ça à marcher. Alors, c'était qui ce type? C'est juste un ancien... Ah, fais gaffe! Oh non! Accroche-toi! Allez! Allez! Oh, bon sang! Oh, ils sont têtus, ces mecs! Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte? On dirait qu'on a de la compagnie! Fils de Paris! Va falloir que tu nous couvres! Cette rivière devrait nous mener au monastère.
Allez. Merci. Tout va bien ? Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Ralentis, tu veux ? Un des hommes d'Eddie pourrait nous attendre. Je sais, moi aussi. On trouve Sullivan et on se tire d'ici. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Bon, on est obligé d'avancer. Ouais. C'est quoi cet endroit ? Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Quelle direction choisir ? Attends un peu. Attends un peu. Je vais rester là à faire le guet pendant que toi tu trouves un moyen de traverser.
Hey, boulet. Maintenant, cet or, il m'appartient. Ah, t'as perdu. Tuez-les tous les deux. Il est par là. Il doit bien y avoir une sortie. Allez! Allez, grimpe! Oh, t'es plus lourde que t'en as l'air! Tu peux l'atteindre? Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Il y a une corde! Je vais essayer de te la passer! Oh, je vois un tunnel! On peut sortir par là! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dépêche-toi de descendre la corde! Vite! Il est tout rouillé! Impossible de le bouger. Elena ! C'est coincé ! Sacre, sacre, sacre! Par ici!
Il a plus de munitions. Expliquer ce qui se passe. Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi? Il est maudit, c'est pas possible. Oh, mec, nom de Dieu. Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. Sauver le monde, vaincre le mal, normal quoi. Ah bien sûr. Dommage de devoir partir les mains vides. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Tiens, je me suis dit que ça te manquerait sûrement. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Sully! Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé! J'ai trouvé un bateau!
Mais on a déjà un bateau. Ouais, un gros bateau. Moi, je préfère celui-là. Celui était vraiment incroyable. Je l'ai piqué à deux pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler. Je suis désolé pour ton article. Oh, t'inquiète pas, il y aura d'autres cases. Tu me dois toujours quelque chose. T'inquiète pas pour ça.